On ne le sait peut-être pas, mais avant d'être la star du rugby qu'il est aujourd'hui, Antoine Dupont est passé par des moments plus compliqués. Avant d'exploser aux yeux du monde, celui qui fête ce mercredi 15 novembre ses 27 ans, a vécu des moments difficiles. Difficile de savoir si la France a déjà eu un joueur aussi talentueux qu'Antoine Dupont dans son histoire. Si le demi de mêlée a échoué dans sa quête de décrocher une première Coupe du Monde, il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la planète. Véritable phénomène de précocité, le gamin de Castelnau-Magnoac, aux Pyrénées, qui fête aujourd'hui même ses 27 ans, a commencé très jeune sa carrière professionnelle, du côté du Castres Olympique, avant de rejoindre le Stade toulousain où il brille depuis 2017. Avant cela, tout n'a pas toujours été rose pour Antoine Dupont, qui n'a pas très bien vécu ses dernières années d'études, notamment au lycée. Après le collège, j'ai choisi de poursuivre mes études à Auch, sur les conseils de mon frère. J'ai choisi de rejoindre le lycée agricole de Beaulieu parce qu'il avait une section rugby qui marchait bien, raconte-t-il en interview avec le site de la Fédération française de rugby. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu pour le jeune rugbyman, qui a du mal à se faire à sa nouvelle vie. La première année a été compliquée. L'internat, l'éloignement de la famille. Castelnau, j'y suis attaché. Toute ma famille vit dans la région, explique le grand copain d'Anthony Gélonge. Une période qui a aidé Antoine Dupont à grandir très proche des siens et notamment de Clément, son grand frère, rugbyman et beau gosse. Antoine Dupont n'est pas en confiance et les choses se passent mal sportivement. En plus, au début, l'entraîneur ne me faisait pas confiance. Je déprimais. J'ai parlé à mes entraîneurs de la Numezan, en leur disant que je voulais revenir. Quand je rentrais à la maison, le week-end, j'étais dégoûté, se rappelle le rugbyman, qui a finalement su apprendre de ce moment délicat. En fait, je râlais sans vraiment chercher à comprendre ce qui se passait. Cette période m'a aidé à grandir. Malgré les épreuves, Antoine Dupont a su se relever pour devenir aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de la planète. Alors qu'il fête ses 27 ans, celui qui a dévoilé être en couple lors de son voyage en Indonésie, est désormais bien loin de cette période compliquée.